Chemise blanche, pantalon blanc, comme nous nous sommes dit avec les laïcs catholiques, les dress code. Voilà, je suis ici à l'église Saint-Joseph. C'est l'église où j'ai prié le 16 février 92 et j'y suis aujourd'hui le 31 décembre 2017 pour prier avec mes frères et sœurs et après se mettre dans le rang comme le mot d'ordre a été donné et marcher. Pourquoi ce dress code être en blanc si vous demandez de ne pas afficher votre appartenance politique? Oui, mais parce que c'est le pays. Ici, on ne parle pas d'un parti politique ou d'un autre. On parle du pays. Le blanc, c'est la lumière, c'est la sagesse, c'est l'avenir. Donc, nous prions ici pour libérer l'avenir du Congo et c'est symbolique. On a dit soit on s'habille en tenue des catholiques, soit on s'habille en blanc-blanc pour symboliser la journée d'aujourd'hui et symboliser le mot d'ordre qui a été donné, c'est-à-dire nous marchons pour libérer l'avenir du Congo. Vous n'avez pas eu de difficulté à venir, l'église est pleine? L'église est pleine, on a eu beaucoup de difficultés. Je suis arrivé ici en moto. Mais écoutez, vous savez, je suis un combattant, je suis un soldat du peuple et là où il y a les combats, là où on m'appelle, je dois y être par tous les moyens. Mais je suis arrivé avec toute mon équipe et nous sommes là et comme vous avez vu, l'église est pleine parce que les Congolais sont fatigués de M. Kabila. Et les Congolais montrent par ces gestes à la face du monde que M. Kabila doit partir et tout le monde doit y contribuer. Les revendications aujourd'hui sont celles-ci, sont quelles sont-elles? Les revendications sont et que la première, c'est que l'accord de la Saint-Sylvestre arrive à terme aujourd'hui, donc le 31 décembre 2017, et que demain, lundi 1er janvier 2018, toutes les institutions à mandat électif seront totalement illégitimes. Donc nous entrons dans une période trouble où les institutions ne sont soutenues par aucun texte légal. Donc l'illégitimité totale et complète de ces institutions. Donc nous demandons à M. Kabila d'en tirer les conséquences et de partir. Honorable, si vous voulez un plan B aussi longtemps que le mot d'ordre était 1. Vous allez à l'église, vous priez, et 2. Vous sortez de l'église, vous vous mettez en rang, et comme ça, et vous marchez selon les itinéraires qui seront donnés. Donc il n'y a pas de plan B. Mais apparemment, toutes les routes sont barricadées et c'est difficile que les autres arrivent pour que vous puissiez marcher ensemble. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport aux autres qui ne savent pas vous rejoindre? Nous allons nous engager la marche et le peuple congolais va constater, le monde entier va constater, la communauté internationale va constater et je demande surtout à la CPI, à la Cour pénale internationale de constater et je demande à l'ONU de voir un monsieur qui est totalement illégitime, qui empêche le peuple de s'exprimer. C'est une demande pressante que nous faisons à la communauté internationale. Merci. Je vous remercie. Merci. Parce que tout est bouclé, il y a des contrôles, il y a même des policiers qui font descendre les clients au bord de piste. On vous empêche pas de venir, mais les gens, il y a ralenti. Ouais, c'est un peu pas ralenti, Ça va prendre assez de temps, je ne sais pas si la majorité parce que la circonstance est tellement ralentie. S'il y a des barrages et qu'on vous empêche d'avancer, quelles sont les consignes? Bon, il y a des consignes déjà que le
le comité des laïcs à disposer. Nous allons lui serrer la main. S'ils essaient de tirer, on va s'agir, on va se mettre. Non, pas de violence. Ça va se faire dans la non-violence totale. Vos revendications, quelles sont-elles aujourd'hui? Aujourd'hui, nous revendiquons l'application intégrale de l'accord de Saint-Sylvestre. Et en même temps, nous réclamons aussi le départ du président Kabila, vu que non, son mandat va prendre fin aujourd'hui conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Merci. Ça va. C'est bon.
Thank you.